Pour le mi-cuit de veau aux myrtilles, dans une poêle très chaude, vous allez saisir les escalopes de veau, sans matière grasse, une minute de chaque côté. Ensuite, coupez les escalopes en dés et mélangez-les dans un saladier avec la moutarde en grains, une cuillère à soupe d'huile d'olive, le yaourt grec et quelques myrtilles taillées en deux, sans oublier évidemment d'assaisonner. Pour les champignons croustillants, commencez par écouter les énoquis, puis mettez-les dans un saladier et mélangez délicatement avec la fécule de pomme de terre, le paprika, la levure, le sel et le poivre. Ensuite, faites-les cuire à la friteuse à 160 degrés jusqu'à obtention d'une panure dorée et disposez-les sur du papier absorbant pour retirer l'excédent de gras. Pour le dressage, à l'aide de deux emporte-pièces, réalisez une demi-lune avec le mi-cuit, puis parsemez dessus des pousses de roquettes, des myrtilles coupées en deux et les champignons croustillants. Terminez en ajoutant des demi-myrtilles sur l'ensemble de l'assiette. Voilà comment réaliser en 15 minutes chrono un délicieux mi-cuit de veau aux myrtilles et champignons croustillants pour épater vos amis.